Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette troisième journée, dans cette troisième, ce troisième exercice donc sur la confiance en soi. Je mets mes lunettes, sinon vous allez me voir, je ne vais plus pouvoir vous regarder. Désolée, hein, mais sinon c'est pas possible quoi. Et donc on se retrouve dans ce troisième jour de défi, de mini défi sur la confiance en soi. Et j'espère en tout cas que tout se passe bien et que les deux premiers exercices déjà ont pu vous aider à éclairer un peu, à éclaircir un peu tout ça. Et dans ce troisième exercice, dans ce troisième jour, je vais vous proposer de vous focaliser sur vos victoires. On est encore trop focalisé sur nos échecs, sur les choses négatives que l'on vit au quotidien. Et du coup, évidemment, ça atteint cette confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Et donc, focalisez-vous sur vos victoires, parce que tous les jours, il y a des choses que vous faites et qui sont super. Vous avez des réussites tous les jours. Donc, je vous invite, et c'est un peu comme le cahier de la gratitude, vous allez voir, c'est à tous les soirs, écrire trois choses pour lesquelles vous êtes fier, que vous avez réussi, que vous avez réalisé aujourd'hui, et pour lesquelles vraiment vous êtes fier. Et ne soyez pas humble, je veux dire, ne soyez pas, ne voyez pas petit, mais vraiment voyez vos talents, voyez ce que vous avez réussi, voyez ce que vous avez fait de bien de votre journée. Et donc tous les soirs, je vous invite à partir d'aujourd'hui, à en tout cas faire cet exercice de manière régulière et à vraiment écrire, voilà, tout ce que vous avez, voilà, soyez fiers de vous, quoi. Inscrivez vraiment dans ce petit cahier les choses que vous avez réussi. Et ça peut être des petites choses, hein, d'accord. Faut vraiment, souvent, on a l'art d'aller chercher des trucs, on se met la barre beaucoup trop haut. N'oubliez pas, on avance à pas de bébé. Donc voilà. Petit cahier des victoires et donc vous écrivez tous les soirs trois choses pour lesquelles vous êtes fiers aujourd'hui. Cet exercice va vous permettre vraiment de vous valoriser, de valoriser vos talents, vos réussites et vraiment de renforcer votre confiance en vous. Alors voilà, on est déjà à la fin de ce mini défi, mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare vraiment quelque chose de bien plus important, de bien plus grand. Et c'est vraiment des petites pépites que je vous ai proposées ici au long de ces trois jours. Demain, je vous en dirai beaucoup plus, donc soyez vraiment au rendez-vous. Je me réjouis vraiment, vraiment de partager ça avec vous. Je vous ai vraiment préparé quelque chose de très impactant. Et voilà, je vous en dis pas plus, j'ai vraiment envie de vous le partager. Je vais enlever mes lunettes parce qu'il n'y a plus de soleil. Ça, c'est la Belgique, hein, vous savez bien. Et donc voilà, rendez-vous demain, je vous en dirai un peu plus. Mais en tout cas, voilà, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite un bon exercice, je vous dis à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.